Bonsoir à tous. Merci d'être venus jusqu'à nous. Donc, ce soir, nous ouvrons notre cycle de conférences avec deux conférenciers. Donc, Catherine Sabineau, ethno-écologue et anthropologue à l'IRD, et Emmanuel Tchibaou, anthropologue, directeur de la culture en province Nord, et que nous connaissons plutôt bien ici, puisqu'il a dirigé cet établissement durant plusieurs années. Voilà. On vous remercie d'avoir bien voulu ouvrir notre cycle de conférences à la médiathèque. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous aussi d'être présents ce soir. Bonsoir. Et aussi, merci beaucoup aux artistes qui nous ont offert une performance pour ouvrir et faire le lien entre l'exposition qu'on a co-créée tous ensemble, les artistes, Emmanuel et moi, les œuvres sont des artistes, et cette conférence. Et un merci particulier à Richard Ligoué qui a remplacé Erwan qui avait son torticolis. Et c'était vraiment chouette d'avoir les deux danseurs avec nous ce soir. Donc aujourd'hui, avec Emmanuel, on a intitulé notre conférence Paix Sainte-Anne, être le chemin de l'autre, de la transmission des savoirs en milieu kanak aux dynamiques de protection de l'environnement. Alors, comme les termes en langue qui sont annoncés ici sont dans une langue que maîtrise parfaitement Emmanuel, c'est lui qui va vous en parler un petit peu plus. Mais je voulais avant tout nous présenter aujourd'hui en tant que chercheurs qui ont travaillé ensemble depuis 10 ans dans différents projets, de manière plus ou moins approfondie selon les projets. Et c'est de ces 10 ans de travaux communs, ponctuels ou plus longs, certains ont été pendant 3-4 ans, on a eu envie de partager avec vous des éléments de compréhension sur la transmission des savoirs, comment les savoirs se construisent et se transmettent, et comment les savoirs locaux peuvent être mobilisés par les citoyens, et en particulier dans le cadre de la création de politiques environnementales. Donc je vais passer le micro à Emmanuel pour ouvrir le chemin. Bonsoir tout le monde. Déjà heureux de voir beaucoup de monde. Moi, mon propos, il est tiré de mon expérience en tant que d'abord responsable. Ce qui va être présenté ici, c'est le fruit, comme l'a dit Catherine, d'une collaboration entre nos deux structures, l'IRD et puis quand j'étais au centre, le département patrimoine et recherche, et puis le travail qui a été le nôtre et qui a abouti notamment aux propositions que vous avez pu apprécier en prélude de la conférence avec la prestation des artistes Nicolas Mollet, Erwan Botrel. Et l'exposition qui est en cours ici au Centre culturel Tchibaou, qui s'appelle Djengedou. Paix Sainte-Anne, c'est le nom qu'on a donné à cette conférence. C'est un terme en langue fouin de la région de Yengen. Et Paix Sainte-Anne, c'est la tradition, enfin, la traduction littérale, enfin, c'est deux termes. Sainte-Anne, ça signifie route, chemin, voie, accès. Et puis P, c'est le terme, c'est un marqueur qui indique la réciprocité. Et donc, pourquoi, de quelle manière il est utilisé dans chez nous, c'est parce que lorsque on va, il est mis en rapport avec lorsqu'on va à une cérémonie ou on est invité quelque part à une manifestation coutumière, bien. La première chose à laquelle naturellement on va penser, c'est de réfléchir à la manière dont on va arriver. Et on arrive toujours par la route. Et donc, notre manière de faire, c'est de chercher une entrée. Et l'entrée, pour le coup, elle se matérialise par un sentier
qui est le chemin, dans l'expression, mais c'est aussi quelqu'un qu'on va trouver à cette entrée. Et donc c'est pour ça qu'on dit, enfin, de manière un peu commune, c'est on cherche quelqu'un pour faire la route, pour arriver à telle maison, à telle cérémonie, à telle. Et c'est qui dans notre réseau d'alliance qui est le plus proche? C'est à celui-là qu'on va présenter ses hommages et de dire, ben voilà, je me permets d'arriver, et puis on retrace à cette occasion les liens qui nous unissent et qui sont pas simplement des liens physiques d'alliance, de parenté, mais qui sont aussi des liens de fraternité professionnelle, mais également des liens qui sont aussi l'héritage des alliances passées, des mythes, des guerres, des disputes, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de donner ce nom à la proposition de conférence qu'on va partager ce soir, aussi du fait que en donnant ce nom, on pense aussi au fait que lorsqu'on chemine, vous l'avez vu lorsque vous êtes arrivé ici au Centre culturel Chibao, vous n'arrivez pas directement à la porte du Centre culturel Chibao, vous arrivez à l'entrée et vous cheminez jusqu'ici. Donc de manière assez conceptuelle, c'est la première porte, c'est d'abord ce cheminement-là, une mise en condition qui est faite par la relation à l'espace, les sapins, les cocotiers, le fait qu'on se dit ben, attention, je vais arriver dans un endroit. Et puis, je me mets déjà en recul par rapport à ce qui est la vie de tous les jours, le quotidien. Et donc, ce cheminement-là, il se fait aussi du fait qu'on interroge le rapport à l'espace, le rapport au temps. Et pour la déclinaison de son identité, on l'a fait tout à l'heure, on s'est présenté. Et c'est aussi le rapport au savoir, à la connaissance. Donc, voilà, c'est un peu long l'explication, mais c'est pour ça qu'on a choisi de donner ce nom-là à la conférence, quoi. Voilà. Et pour poursuivre, merci Emmanuel pour l'ouverture du chemin. Et c'est vrai que tu as dit on s'est présenté, je ne me suis pas présentée vraiment parce que j'ai oublié puisqu'on m'a présentée. Mais donc du coup je suis en anthropologie de l'environnement comme on le disait tout à l'heure et je travaille à l'IRD et moi je ne travaille en Nouvelle-Calédonie que depuis 10 ans. Donc il y a beaucoup de choses aussi que j'ai appris en chemin et c'est un honneur aussi de le repartager avec vous et avec Emmanuel aujourd'hui. Alors, vous avez eu, c'était pas sûr que vous alliez pouvoir rentrer dans la salle Djengezou. On avait hésité, est-ce qu'on les laisse entrer ou ils reviendront? Vous êtes entrés et vous avez remarqué que la porte, elle s'ouvre très doucement. Elle s'ouvre très doucement parce que Djengezou, on ne l'a pas dit, je crois, ça veut dire « sois attentif ». Donc elle s'ouvre très doucement parce qu'on a besoin d'aller doucement pour pouvoir apprendre, on a besoin de prendre le temps de cheminer aussi pour se préparer à apprendre, à sentir. Et je vais remettre un coup l'ouverture. Vous avez dû remarquer que il y a un phénomène qu'a reproduit Nicolas Mollet dans sa création, des yeux qui clignent, qui s'ouvrent. On nous regarde et on observe en même temps. C'était un petit peu ça qu'on avait envie de faire passer dans cette entrée dans la salle. Donc, on a ici associé deux images. L'image du haut, qui est une image créée par Nicolas Mollet, où on voit le sillon de la pirogue et donc le chemin qu'elle crée sur l'eau et qui s'ouvre sur un monde que vous allez découvrir après. Peut-être que vous avez vu, pour ceux qui ont eu le temps de regarder la création numérique qui est à l'intérieur de la seconde salle. Et en bas, c'est une photo que j'avais prise il y a quelques années à Marais, en allant apprendre avec un vieux et un enfant les pratiques de chasse et les valeurs accordées aux roussettes. Et ces moments de partage permettaient d'apprendre comment ça se passait, mais aussi
d'assister à des échanges entre des plus vieux et des plus jeunes. On va démarrer la conférence, même si on l'a démarré, c'était une grande introduction, on va démarrer la conférence avec un exercice que Nicolas nous a fait faire à Emmanuel et moi. On a l'habitude en anthropologie, en sociologie ou dans d'autres champs disciplinaires de parler longtemps, d'écouter et d'avoir des conversations très longues avec les gens pour comprendre leur réalité, comprendre comment ils voient les choses, comment ils gèrent leur environnement, notamment dans les projets qu'on mène. Et on a l'habitude de mettre parfois au milieu d'une feuille un mot, par exemple le récif, la baleine, le dugong, puisqu'on avait travaillé sur le dugong aussi ensemble, et de demander aux gens ce qu'ils associent à ce terme pour essayer de comprendre tous les liens qu'ils vont faire avec ce que l'on met au milieu. Et dans l'expo, pour l'expo plutôt, Nicolas nous a demandé à Emmanuel et moi de nous mettre autour de la table, autour d'une table avec des post-it, autour du terme de transmission et de transmettre. Et donc vous verrez que sur ce tableau, sur cette création, qui est la seule création non numérique de Nicolas Mollet dans cette salle-là, on a plein de lianes de chemins de lianes qui lient des mots les uns avec les autres. Des mots que Emmanuel et moi, on a liés avec le terme de transmission ou que lui-même, Nicolas Mollet, a liés ensuite. Je vais passer la parole à Emmanuel pour qu'il nous donne un petit peu la diversité des types de termes qu'on a mis au sein de ce tableau. Donc, ce qui est important dans cet exercice, qui était le point de départ du projet aussi, c'était de comprendre, il y a une lumière là, c'est ça, c'est de comprendre que les réalités que l'on partage, elles sont aussi le fruit de notre pensée. Et que la pensée, elle se matérialise dans le verbe. Bon, c'est logique, mais c'est aussi logique de se dire qu'on parle en français et que forcément les représentations qu'on va utiliser, elles sont pensées pour le coup en français. Et lorsque l'on parle de transmission, lorsqu'on parle de partager des connaissances, des savoirs, c'est important aussi de faire un pas de côté et de se dire que celui qui est potentiellement mon informateur ou mon collègue ou quelqu'un à qui je vais demander assistance pour comprendre, il n'est pas forcément issu de ma culture. Et donc, du coup, la manière même d'interroger le rapport au sens, il se traduit aussi dans les mots. Et quand on a fait ce travail avec Nicolas Mollet, on a mis au centre transmission, transmettre. Et puis, ça, c'est en français. Hein. Et donc, du coup, après, comment le rapport au savoir, comment il se traduit. Et donc, c'est là déjà où on se rend bien compte qu'on n'est pas... On n'est pas issu de la même matrice parce que, par exemple, quand on dit comprendre, on dit dans les langues des Yengen tena. Et quand on dit tena, c'est pas simplement comprendre, c'est distinguer. C'est tena, j'entends, j'écoute. Tena, je sens le froid. Tena wokim, je sens qu'il fait froid. C'est distinguer, apercevoir, par exemple, dans le flux de l'écume des vagues, un bon sardine, de ténin. Tu as vu, tu as distingué dans le flot de la mer cette ombre qui est furtive. Là. Donc, du coup, c'est aussi se rendre compte que c'est la perception même de la manière dont se découpe la pensée et l'usage qu'on fait du langage, il se traduit différemment. Donc, forcément, quand on parle en français, on gomme aussi, on polie ces expressions pour les faire correspondre à ce qui est le français. Donc là, c'est le cas pour Téna. Téna comprendre, et si je vais traduire par exemple le savoir, c'est plutôt rattaché à, on dit Hina. Et Téna, c'est plutôt le sensoriel, et puis Hina, c'est rattaché à la main. C'est ce que je sais, c'est ce que j'ai déjà
expérimenté par la pratique, par le geste. Et donc, du coup, dans la déclinaison qu'on a formulée là, dans l'exposition et puis ce qui est présenté derrière, là, ça reprend un peu cette déclinaison, cette arborescence qui se démultiplie au fil des langues. On n'a pas mis toutes les langues. Nicolas, il parle djihou. Catherine, elle parle français. Moi, je parle langue des Yengen. Donc, c'est aussi se rendre compte que les réalités que l'on décrit, elles sont aussi forcément imprégnées de ces conceptions que l'on a intériorisées depuis la naissance et puis que, pour le coup, on traduit avec ces différentes couches de filigrane qui se déclinent dans les petites lignes qui sont bleues, vertes ou jaunes en fonction du dessin et puis qu'on va mettre en retrait ou en avant en fonction du sens que l'on veut révéler dans le propos. Donc, c'est rattaché à la transmission autant que à la perception de ce qui est les usages de la connaissance et des pratiques. Donc c'est ça que je pourrais dire, voilà, pour la manière dont on a formulé. Donc ça marque aussi le fait qu'on ne fonctionne pas du tout de la même manière et puis que c'est justement le fait de prendre en compte des réalités différentes qui nous fait apprécier du coup l'altérité. Et que la connaissance, elle se construit aussi par cette diversité qui est formulée dans tous les écosystèmes qu'on valorise aujourd'hui, mais qui aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait aussi faire ce travail-là aujourd'hui en se disant que si on parle français, l'altérité, elle se construit aussi dans la diversité pour le cas ici en tout cas, des 28 langues qui sont formulées avec 28 représentations du monde, de ce qui est la perception, la connaissance, la transmission des savoirs. Voilà. Merci. Et ce qui est, ce qu'on dit souvent aussi, c'est que la diversité linguistique, elle est très liée à la diversité biologique. Et on parle souvent de crise de la biodiversité, de perte de biodiversité et moins de perte des langues. Or, c'est quelque chose qui est assez lié. Si on perd les mots pour nommer les choses, on va perdre beaucoup des connaissances qu'on va avoir sur notre environnement. Donc c'est aussi quelque chose qui est important de décrire les choses par les mots et par les mots différents qu'on peut employer. Alors, notre conférence, on a souhaité la mettre en lien avec l'exposition. Et avant de présenter le plan qui s'affiche sur l'écran, je voulais partager, enfin nous voulons partager avec vous comment est-ce qu'on en est venu à faire cette exposition et la création numérique que vous allez regarder juste après. On a eu une sollicitation de l'IUCN, un organisme international sur la protection de la biodiversité, qui souhaitait qu'une création numérique soit réalisée pour passer de manière universelle un message, à savoir que les savoirs locaux sont pertinents et doivent être considérés pour penser la gestion de la biodiversité. On ne peut pas utiliser uniquement les savoirs sur les plantes, il faut aussi, pour faire une caricature, il faut aussi s'intéresser aux manières avec lesquelles les populations voient leur environnement, comment ils le vivent, comment ils le gèrent. Et donc le message qu'ils nous ont demandé de faire passer à ce moment-là, parce qu'on écrit aussi à ce propos-là dans nos publications, c'était de rendre compte que ces savoirs, ils existent, il est important de les considérer. Et les sciences humaines, aux côtés des sciences naturelles, écologiques, peuvent travailler ensemble pour nourrir cela. Donc l'idée aussi, c'est que on considère que la crise écologique qu'on vit aujourd'hui, c'est une crise en fait des sociétés humaines aussi, qui met en danger nos existences, celles des autres. Et ce que nous pouvons décrire dans nos conférences ou dans les écrits, c'est aussi que cette crise, c'est une crise des relations justement, aux vivants, des liens aux autres. Donc on a voulu insister sur comment est-ce qu'on pense les liens société-nature et comment en milieu Kanak, on continue de penser les liens société-nature d'une manière particulière qui peut être inspirante pour penser les politiques environnementales. Donc dans notre conférence, on aura une petite partie pour rappeler, alors pour ceux qui sont dedans, ça va être très, très connu, on va dire, très, très rapide comme présentation. Mais pour ceux qui sont moins au fait, ça amènera quelques clés. Comment sont pensés les liens société-nature en milieu Kanak?
comment s'élaborent ensuite ces équilibres, comment est-ce qu'on les construit, comment est-ce qu'on les entretient, comment ensuite on ajuste nos pratiques et nos politiques environnementales qui aujourd'hui sont des politiques à différentes échelles au niveau de international, gouvernement, État, province, etc. Et on terminera sur les manières avec lesquelles on peut apprendre des autres pour construire notre savoir et pour construire ces politiques. Donc, on commence par comment pense-t-on les liens société-nature ? Et là, on vous emmène avec la petite création qui a été réalisée par Nicolas, qui dure 4 minutes et qui va nous emmener un petit peu plus loin dans le discours. Il y a un petit souci de son, alors que ça marchait tout à l'heure. Une explication là-haut ? Elle marche aussi sans son. Je retente. Je vais la fermer, la rouvrir. Je suis un pêcheur. Un pêcheur qui pêche comme on lui a appris. Pour ne pas oublier, éviter l'abîme du temps. Les saisons, les savoirs, les interdits, les coutumes, les rites, les secrets, ne pas oublier. Essentiel, comme la conscience d'être cela. Essentiel, comme la bactérie, le poisson, l'anguille, le lézard, l'oiseau, le champignon invisible et essentiel. L'arbre, la fleur, le tubercule, le coco essentiel à la rosée du matin, des rubis, vos rivières, comme la conscience d'être cela. Essentiel, les saisons, les intérêts. Les savoirs, les rires, les secrets, tout recommence. Essentiel, comme la cadence et le rythme de tout cela. Je pêche comme l'arbre.
se pêche dans la quine du temps pour ne pas m'abîmer avec le temps. Pour se raconter tout ça. Le bonheur d'être tout cela. Cette création a été réalisée par Nicolas Mollet. Et vous pouvez la retrouver pour ceux qui souhaitent la re-regarder et réécouter les paroles ou revoir des choses, parce qu'à chaque fois qu'on la voit, on apprend de nouvelles choses qu'on n'avait pas vues au début sur le YouTube de l'IRD. On a voulu commencer par cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses dedans, des choses que chacun de nous peut percevoir. Certains vont voir des choses, d'autres vont voir d'autres choses. Je pense que tout le monde verra qu'on parle de liens entre société et nature, de liens qui marquent les continuités. Et on va vous partager deux points particuliers des liens qui marquent les continuités dans cette première partie. Et donc, excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. On va parler des liens qui marquent les continuités en milieu kanak et ensuite des récits qui racontent Théa Kanaké. Donc, pour les liens qui marquent les continuités, en fait, au-delà du lien à la terre qui est très connu en milieu kanak comme étant très important, il y a trois éléments qui méritent d'être mis en avant pour définir les rapports homme-nature. Les continuités terre-mère, les continuités visibles et invisibles et les continuités humains-non-humains. Pour les continuités terre-mer, on a pris un exemple sur une carte qui a été réalisée par le GIE Océanide, qui montre les zones d'influence coutumière dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. En fait, dans le Pacifique, mais aussi dans d'autres lieux du monde, l'océan est vécu et pensé en continuité avec les terres émergées. Vous avez tous sûrement déjà entendu que l'influence coutumière ou la terre, elle va de la montagne jusqu'au récif ou jusqu'à plus loin. Et c'est ce que cette carte essaie de symboliser. On a également donc ce rapport entre nature et culture, il est évoqué de manière symbolique, il évoque pardon, de manière symbolique le prolongement terre-mer, et ça reprend aussi l'opposition eau-bas que l'on retrouve dans toutes les langues kanak. Ce continuum, il trace dans l'espace le prolongement du visible et de l'invisible. Et là, je vais partager une carte qui a été réalisée avec Emmanuel, et c'était la première fois en 2012 qu'était reportée sur cette carte les représentations des circulations de la continuité visible-invisible à travers le chemin des morts. On voit ici matérialisé ici le chemin par lequel les vieux déclinent, racontent l'origine du monde et des êtres. Et pour les Kanaks, c'est l'océan qui est la matrice originelle de la vie sur la Terre. Et c'est aussi par elle qu'arrive la vie, et c'est par elle que la vie repart. Et ça, le fait de mettre sur carte, c'était une étape nouvelle pour pouvoir traduire et communiquer avec d'autres ces éléments-là. Je ne sais pas si Emmanuel, tu veux ajouter quelque chose. Dire que comment... Quand on parle de continuité entre le visible et l'invisible, c'est rendre compte aussi d'une réalité qui est
rappeler dans les sociétés océaniennes à chaque fois qu'il y a un décès. Et que ce n'est pas simplement une vision un peu, je ne sais pas moi, de l'esprit ou quoi. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un décès, en tout cas pour Yingen, et puis pour l'ensemble des points qui sont référencés sur la carte, c'est pas fini, c'est pas défini les points qui sont référencés. Peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la carte, mais en fait, ce qu'il y a représenté dessus, il y a les 8 pays Kanak, depuis Djoubea Kapoumé, Khanatu, Adjaro, Paiti, Tchemouri, Hotmawap, et puis les trois aires coutumières des îles Loyauté, Djehu, Nengoni et Yai. Et dans ce qui est représenté, c'est les différents, par les flèches bleues, c'est ce qui est le cheminement que les esprits ils font lorsqu'ils arrivent à la mer. Dans le discours cérémoniel de deuil, on dit que lorsque le moribond, il va bientôt mourir, quoi. Et puis on dit que son souffle, il sort de son corps. Son souffle, c'est aussi la représentation de son esprit. Et on dit qu'il se détache de son enveloppe corporelle et puis il suit les lignes de crête. C'est ce qu'il y a en rouge sur la carte. Il suit les lignes de crête, il remonte les rivières, il suit les lignes de crête. Et puis sur l'ensemble de l'axe de la chaîne centrale, il y a des endroits où il suit un chemin et puis arrivé à certains endroits pour Yingen, c'est en haut de Kulna, au fond de la vallée de la Wayem, il y a un endroit qui s'appelle Tamak, il va casser une branche de gommier et puis l'esprit il va plonger dans la rivière Wayem. Et là, on dit qu'il y a le gardien qui va l'emmener à Tidouan, au royaume des esprits. Et ce requin-là, cet esprit-là, il est matérialisé par un grand requin. Et donc, cette continuité entre le visible et l'invisible, c'est aussi le fait que l'origine du monde, on a dit tout à l'heure, c'est l'océan. C'est de là où l'individu il prend sa force. Lorsqu'il naît dans le ventre de sa mère, il est baigné dans l'eau. Et son cheminement d'enfant jusqu'à qu'il devienne adulte, ça va être ce cheminement de dessèchement de l'eau jusqu'à le dessèchement total qui va être le fait que chaque étape de la vie, elle va être marquée par ces phases, cette séquence où on va se dessécher, on va perdre les premiers cheveux, on va perdre les premières dents, et puis après on va se raser pour les premiers poils de la barbe pour les garçons, les premières règles pour les filles, dessèchement encore, jusqu'au moment où il se marie et puis jusqu'au moment où il part. Il ne devient plus que souffle et l'esprit, il poursuit son chemin, il va laisser juste les ossements qui vont être déposés généralement dans les cimetières. Donc cette continuité entre le visible et l'invisible, il se matérialise aussi dans le quotidien des gens, parce que c'est rappelé à chaque fois qu'il y a les discours cérémoniels. Et autre élément qui nous rattache à cette matrice originelle, c'est que ce n'est pas simplement l'origine de l'homme, mais c'est également l'origine de toutes les plantes. Les plantes les plus sacrées, on dit dans nos langues, on dit les vraies plantes, la vraie nourriture, les vrais médicaments. Ça se traduit aussi dans les contes, les histoires. Sur Yingen, par exemple, il y a un mythe qui parle de la grande chefferie Boirat, qui descend un peu à la manière d'Orphée, traverser le Styx, qui est un peu la Wayem, et puis qui descend chercher sa concubine défunte. Et au moment de faire ce cheminement-là, il ne donne pas une pièce. Hein. Il est jugé apte à passer dans le royaume des esprits parce qu'il pose on va percer, voir si son oreille est percée, qui est le premier signe finalement qui matérialise son initiation. Il va chercher sa femme et arrivé en bas, il se rend compte dans la profondeur des océans qu'il y a toutes les espèces des plantes, la médecine traditionnelle. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va ramener certaines espèces de plantes que nous, par exemple les bananiers sauvages, chez nous on dit que ça vient de,
De ce cheminement-là que le chef Boirat il a fait. Et puis, il a trouvé les bananiers pidgin en bas. Donc, c'est pour raconter bien que cette distinction entre le visible et l'invisible, c'est quelque chose qui traduit cette représentation de cheminée du dessèchement de l'eau. On monte vers la terre, on fait notre parcours d'homme, de femme, et puis on se dessèche, et puis on repart se nourrir dans les profondeurs des océans où là, tous les esprits se rejoignent pour cette cérémonie ce grand pilou éternel là, et où là on va rejoindre toutes les formes, les espèces animales, végétales dans ce grand tourbillon là. Voilà. Et donc les autres continuités, hein, c'est vraiment dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, c'est les continuités entre les humains et les non-humains. Donc chaque forme de vie qui existe est en lien avec une autre. On a les ancêtres, les cailloux, les plantes, les animaux terrestres et marins, les génies, les humains vivants et morts qui constituent le monde. Et l'humain n'y a pas une place dominante. Il a une place parmi les autres. Et donc en milieu kanak, tout fonctionne par association qu'on appelle en anthropologie association dualiste d'éléments symboliques complémentaires. Vous avez tous entendu parler homme et igname, femme et cocotier, feu et eau, sec, humide, requin, carangue, baleine, igname. Et c'est la liste est impossible de tout raconter aujourd'hui, même si on y passait la nuit. Et vous savez que les clans s'identifient à un élément non humain qui peut être un animal, un végétal, un minéral ou encore un élément météorologique comme le tonnerre. On parle souvent dans le mot en français de totem, mais c'est un mot qui n'existait pas auparavant dans les langues, mais c'est souvent comme ça que c'est connu. Ainsi, en fait, pour les Kanaks, comme pour d'autres sociétés qui perçoivent le nombre et le nomment dans l'altérité, en nommant deux choses qui vont l'une avec l'autre, les concepts d'écosystème et de nature, ils n'existent pas et ils ne correspondent pas à une manière de concevoir et d'ordonner le monde. On est vraiment sur des réflexions autres. Donc cette dernière diapo sur les continuités, elle reprend d'ailleurs le terme, tu l'as utilisé pour les plantes tout à l'heure, les vraies plantes. Les animaux, les végétaux comme les minéraux rappellent les liens entre les groupes familiaux, les îles entre la terre et la mer. La carte dont a parlé tout à l'heure Emmanuel rappelait aussi ces liens qui lient plusieurs sites. Et on parle dans beaucoup de langues kanak, je pense qu'on peut dire toutes, mais on ne les connaît pas toutes, de vraies plantes, vrais poissons. Donc y a, si on le traduit littéralement, alors ce n'est pas vrai versus faux, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très facile à traduire, mais qui est profond, qui est fort. Et ces animaux ou ces plantes ou ces autres éléments, en fait, servent de trait d'union entre les éléments et entre les clans en particulier. Donc là, on a quelques photos qui avaient été prises par Mathieu Juncker, qui était dans une exposition qu'on avait réalisée récemment, il y a 2-3 ans, sur les pêches coutumières à l'île des Pins. Il y a encore des livrets qui sont en ligne sur le site du centre. Et pour terminer, juste quelques extraits de verbatim pour vous rappeler comment on travaille aussi au département recherche et patrimoine, mais en tant qu'anthropologue aussi à l'IRD ou à l'université ou ailleurs. Lorsqu'on échange avec les gens, on essaye d'enregistrer, lorsqu'ils sont d'accord avec cela, leurs propos pour pouvoir les rapporter ensuite sans les déformer. Donc on a ici quelqu'un de Nouméa qui avait indiqué que la frégate, quand elle vient sur la terre, c'est le signe que le vent va se lever. Et puis c'est aussi le signe que dans la vie sociale, un truc va se passer. Donc là, on a encore les liens forts entre la vie sociale et les éléments qu'on qualifie en français souvent de naturels. Et là, un autre verbatim, extrait de témoignage, le tricoréier, c'est le lien totémique, la fonction de chaque clan et sa chefferie. Il exprime les interdits. C'est aussi dans la chaîne de l'écosystème. On a pris cette citation-là aussi parce que vous voyez que dans une citation, c'est écrit tout petit, d'un habitant d'Ouvéa, on a les termes qui qualifient le lien totémique, la fonction du clan, mais qui reprend aussi des termes qui aujourd'hui sont très communs, comme la chaîne de l'écosystème. Je vais passer la parole à Emmanuel pour les récits qu'il raconte.
Ce qu'il raconte, parce que c'est dans le... Quand on parle de penser le rapport entre homme et nature, il se traduit, je l'ai dit tout à l'heure, par le langage. Et les premières, nos sociétés dans toute l'Océanie, ce sont des sociétés de tradition orale. Du coup, l'ensemble des concepts sont transmis sous la forme de tradition orale. Donc, c'est d'abord le parce que ce qu'on a mis sur la photo là, c'est une illustration de ces représentations là avec la sculpture de Dick Bone qui est une sculpture qui représente l'homme lézard. Et dans l'histoire de Teakanake, on parle de cette relation là mystique entre la nature, le monde, le fait que l'homme il vient de la nature. Et que les premiers hommes, ils sont aussi les héritiers de cette transformation qui nous a fait passer de l'état, on va dire, sauvage, les premiers esprits, sans règles, sans coutumes, sans langage, sans verbe, jusqu'à une société organisée, pensée avec des rites, des concepts qui sont traduits dans les traditions orales. L'histoire de... on a choisi comme exemple Teakanake, mais c'est pour la région... Paiti Tiemui, sur la région de Kone, Ponerewin, Pointimi. Ce récit-là, il parle de l'origine du monde. C'est la manière dont les gens dans cette région-là se déclinent l'origine du monde. C'est un mythe qui est relativement connu, puisqu'il a été repris dans Guillard, dans les textes des anthropologues, ici sur le chemin Kanak également. Et aussi dans les premières performances publiques sur le festival Mélanésia 2000 en 1975, qui raconte l'histoire de Teakanake. Ils disent au début du monde, la Terre tourne en spirale et elle tourne sur elle-même. Et que feu chaud et feu froid se rencontrent, et de leur rencontre, c'est projeté sur la Terre une dent. On dit que c'est la dent de la Lune, elle est projetée sur la sur cette terre-là qui tourne en spirale, et puis ils disent que de cette projection, lorsque la dent elle arrive sur la terre, la terre est recouverte par les eaux. Et que lorsque la dent arrive, elle se fiche au milieu de ces océans qui recouvrent l'ensemble de la planète, et puis qu'on va voir se coaguler à la base de cette dent, la base du sang, c'est les vers, qui vont peupler les océans. Et par la suite, il y a plusieurs phases de décrue. Et puis les premières montagnes ici sur la Grande Terre vont sortir dans le centre de la Calédonie Maori, entre Kanala, Mwendu, et puis plus le Yeoma, en haut de Bouraï, Azareux. Et puis plus loin encore, le massif de Pagny, Tono. Donc c'est un peu de cette manière-là que les gens racontent finalement cette continuité entre le fait de venir des origines. L'histoire, elle dit que c'est une fois que les premières montagnes elles sont sorties, elles ont émergé des eaux, que les premières espèces qui sont arrivées à terre, c'est des anguilles, puis après elles ont procédé de plusieurs mues, et de ces mues-là sont apparus les lézards, et puis qu'ils étaient dans les premières formes de nos ancêtres esprits. Et donc, c'est de ces esprits, finalement, que sont sortis la majeure partie des clans de la région Paiti. Donc, les premiers ancêtres qui sont issus de ce cheminement-là, séquencé depuis la matrice originelle, le fait de remonter à terre, muer après plusieurs mues, c'est comme ça que le Douipurudua, Boaebealo, Douidaulo, et puis Teakanake, ils sortent de cette... C'est les noms des premiers ancêtres. Et les hommes sont issus de... Pour le coup, les humains sont issus de celui-là, la Teakanake, qui partagent, et puis en deux groupes, les Doué et les Baï, dans lesquels les clans vont se marier. Puis les noms de... Les familles de cette région-là vont sortir directement de cette déclinaison-là. On dit que les autres ancêtres, ils ont donné aussi... vie à tout ce que sont les formes, toutes les autres espèces animales et végétales.
Donc c'est aussi de cette manière-là qu'on se rend compte aussi de cette origine, puisqu'à l'heure encore d'aujourd'hui, cette histoire, cette conception qui nous lie à la nature, elle est transmise par les traditions orales et qui permet non seulement aux hommes de s'originer, mais aussi de décliner qui ils sont. Quand on arrive chez quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé du cheminement, la première chose, c'est ce qu'on fait, c'est de dire qui on est. C'est ça qui préside d'abord au lien social, de dire d'abord qui on est et à qui je m'adresse. Et dans cette relation-là, on place l'origine de l'homme dans l'océan et puis son cheminement jusqu'au tertre où il est assis aujourd'hui, avec la toponymie des espaces, mais aussi rattaché à ça tout ce qui est les espèces emblématiques, les espèces animales, végétales qui sont rattachées à ce cheminement-là depuis sa forme originelle jusqu'à là où il est devenu clan. Donc c'est aussi pour indiquer que dans les sociétés océaniennes, la manière dont on transmet, c'est dans l'ensemble des registres de tradition orale, dont celui dont j'ai parlé là, on dit Djahma sur la région de Yengen, c'est la forme la plus élaborée, mais il commence à la base d'abord par les berceuses, après les jeux de motricité, les petites histoires, Ringo, et puis jusqu'à la forme la plus concrète qui est celle de Djahma, où on raconte l'origine des clans et puis l'origine des plantes. Voilà. La première partie était longue avec beaucoup d'histoires parce qu'on a essayé d'expliquer un peu les concepts clés qui définissent les rapports homme-nature et puis d'expliquer l'origine du monde. C'est un grand défi quand même en quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Dans cette partie, on va donner deux exemples en fait pour raconter comment aujourd'hui s'élaborent les équilibres entre tous ces éléments qu'on a décrits. On va voir que tu bois vite parce que je vais te redonner la parole assez vite. on a choisi de vous parler de deux choses, du cycle des saisons d'Igname, qui est lié au cycle des hommes, que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est le moment qui marque le début de l'année Kanak. Tout le monde le connaît, c'est avec l'Igname. Mais les choses sont... Avant de te passer la parole, je voulais aussi rappeler que la fête de l'Igname, c'est quelque chose qui est commun, mais elle va se dérouler de manière très différente selon les endroits où on est en Nouvelle-Calédonie. Et c'est intéressant aussi de voir cette diversité dans la manière de vivre et de partager et de gérer ce moment-là. Mais c'est un cycle en fait qui est vraiment fondateur et fondamental en milieu Kanak. Et on parlera ensuite de quelques espaces. La manière avec laquelle on définit des espaces sacrés, la notion des tabous, d'interdits et de réserves pour tranquillement arriver aux politiques environnementales. Ok, bon, ça va être rapide aussi, hein. Mais parce qu'on parle d'Igname, c'est quelque chose qui est assez connu pour tout le monde, jusqu'en Afrique, jusqu'à ici. Mais là où je pense peut-être on perçoit de manière implicite, c'est tout ce qui est rattaché à la consommation de cet aliment. Le fait que vous avez certainement des collègues qui, là aujourd'hui, on est quel jour là ? Jeudi 4, 6. C'est la saison, c'est les deux semaines de vacances. C'est la saison, les premières saisons où on consomme les ignames, les prémices, ça a commencé déjà. C'est ouvert depuis février. Et l'ensemble du calendrier qui régit les individus à l'heure d'aujourd'hui pour les sociétés Kanak, c'est rattaché à la déclinaison de ce qui va être son rapport à l'autre. Comment ce rapport-là il se traduit ? C'est dans les échanges. Notre vie, ce n'est qu'une succession d'échanges qui est formalisée au moment où on procède des différentes séquences dont j'ai parlé tout à l'heure, depuis la naissance jusqu'au mariage, jusqu'au deuil. Et à chaque fois qu'on procède de ces séquences-là, on va mettre en avant dans les relations non seulement l'origine des clans, le cheminement, depuis ce que j'ai raconté tout à l'heure, le mythe d'origine, la manière dont on s'est installé à un endroit, mais également le fait de communier et au moment des échanges autour de l'igname. Et donc l'ensemble de ce qui est les fondamentaux
de notre société, il s'articule autour du calendrier de la consommation d'igname. Il n'y a pas de cérémonie qui se passe sans qu'il y ait des ignames. C'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, certainement, vous allez remarquer aussi dans le monde professionnel, en tant que responsable, que c'est le moment où les gens vont demander des congés. Parce que c'est le moment où on doit réaffirmer cette identité-là qui est matérialisée au moment de l'échange. Depuis l'origine des individus, lorsqu'on est dans la matrice originelle, on est avec les esprits. On n'a pas de visage. On est pierre, on est tonnerre, on est baleine, on est requin. À partir du moment où on est existence, on nous donne un patronyme, on apparaît aux yeux du monde et donc du coup on chemine avec ce patronyme-là pour lui donner à manger. Et il se nourrit de quoi ? De l'échange. Il se nourrit de quel échange ? De celui qui est procédé à l'occasion des séquences de réactivées à l'occasion des échanges autour de l'igname. Donc il place l'homme au centre de, enfin l'igname au centre de la relation. Et puis autour de ce qui est ces échanges, c'est l'ensemble du calendrier finalement des saisons. Puisque, comme je disais tout à l'heure, on ne consomme pas l'igname tout le temps. Il y a des périodes. Et puis c'est le fait que le moment où on procède de cette communion, c'est là où on voit finalement l'organisation politique d'une tribu, c'est au moment où ils mangent l'igname. Parce que au moment où les gens se tiennent face les uns aux autres, amènent leur contribution au sein de leur clan d'abord et puis après au sein d'une chefferie, c'est là où ils racontent les histoires. Donc on chemine avec d'abord son clan, d'abord personnellement, parce qu'on raconte sa propre histoire, on va planter, on va faire son chant, et puis l'année suivante, on va communier avec son clan dans un espace qui est politique avec l'ensemble des autres clans avec lesquels on est affilié. Et à cet endroit-là, on va mettre en valeur non seulement la relation, mais aussi l'ensemble des produits qui sont, on va dire, je disais tout à l'heure, la vraie nourriture. La vraie nourriture, elle est consommée à ce moment-là. Donc c'est aussi les références qui sont posées là dans ce calendrier là qui vient d'une publication de la province Nord où on a décliné en fonction des mois, juillet, juin, août, septembre, octobre, l'ensemble de ce qui est les séquences qui sont rattachées à la confection du champ d'igname en vert clair et puis après sur la partie en jaune, les signes que l'on doit noter sur enfin, c'est les indicateurs qui sont rattachés aux saisons. C'est ce qu'on a présenté aussi dans l'exposition. Sur la bande sonore qui est dans l'exposition. Quand une fleur fleurit, quand une telle espèce passe, ça indique aux hommes qu'il faut faire quelque chose. Voilà, là par exemple, là c'est les sèches. Là il y a une partie des ignames qui sont mangées à maturité. C'est là où tous les oiseaux ils sont gras. Les notous, les roussettes. Donc c'est à ce moment-là qu'on va. Une fois qu'on a l'igname est arrivé à maturité, on va faire la chasse. Et puis c'est là où on va pouvoir procéder des échanges. Jusqu'au moment où on va remettre l'igname en terre, on va suivre ce calendrier des saisons et puis on va. Procéder durant le laps de temps où on a la possibilité de consommer cet aliment ainsi que les animaux et les espèces qui sont rattachées aux cérémonies, on va le faire durant cette période-là. Donc, on parlait de comment s'élaborent les équilibres. Hein, donc là, le cycle des lignames, c'est aussi il y a les équilibres entre les éléments naturels et les cycles de vie humaine. C'est aussi des moments où il y a, au moment de la fête de l'igname, c'est des moments où on règle aussi des histoires, où ça peut parfois être tendu ce moment-là au sein des familles et des clans, parce que c'est un moment pour passer à l'année suivante, on va expliquer et reconstruire les liens pour que l'équilibre soit maintenu. On a aussi, dans la manière de maintenir les équilibres, une action sur les zones où on va pouvoir aller chercher de la nourriture, notamment. Et on souhaitait mettre en avant que tout ce qui est tabou, interdit, réserve,
Ce ne sont pas... Alors, on n'a pas mis tous les termes en langue, parce qu'il y en a plein. On a repris les termes en français, parce qu'on parle en français aujourd'hui. Mais il est vraiment important de penser que... de savoir, pardon, que si on met un tabou, si on met un interdit, si on met une réserve, c'est une fonction sociale. Ce n'est pas pour préserver de la biodiversité, une espèce. Ça va avoir cet impact-là, puisqu'on ne va pas y toucher pendant un petit moment. Mais l'objectif premier est vraiment de fournir d'importantes quantités de nourriture pour des événements et de disposer d'un garde-manger en cas d'événement extrême, comme une sécheresse ou un cyclone. Donc c'est ce maintien de l'équilibre pour de la société, il se fait aussi parce qu'elle fait en sorte d'avoir accès à de la nourriture, de la nourriture pour manger, de la vraie nourriture aussi spirituelle pour rappeler les choses et de disposer d'un garde-manger en cas d'événement extrême. Je vais aller un peu vite parce que... c'est ça, ça passe vite. On pourrait rester encore quelques heures si vous avez le temps, mais on va tenir le temps. On voulait aussi mettre en avant qu'il y avait énormément de modalités de tabous. C'est pas parce qu'on dit que c'est tabou qu'il y a une définition derrière directe. Il y a une diversité de modalités. Alors je te donne la parole quand même pour en parler un peu. Bon, c'est que on dit tabou déjà, c'est pas un mot français, hein, c'est un mot polynésien. Donc c'est ça aussi. C'est à partir du moment où on définit. On s'adresse en français, on interroge aussi, il faut définir ce qu'on met dans ce mot. Nous, je dis à Yingen, par exemple, il y a la définition de ce qui est tabou, c'est d'abord personnel, l'appréciation, parce que c'est rattaché à ma propre histoire, au déplacement des clans, peut-être qu'il y a des terres qu'il ne faut pas toucher, etc. Après, il y a la dimension locale, le fait que ce soit reconnu par une tribu, par exemple, qui est le fait qu'à un endroit, on a enterré un chef d'importance. Donc, du coup, ce qui est tabou pour tout le monde. Et puis, la dimension générale, comme par exemple la grande rivière de Wayem, c'est reconnu comme un espace qui est tabou pour beaucoup de clans de Yingen, beaucoup de tribus, parce que c'est finalement le chemin que tous nos esprits ils empruntent pour aller à Tidouan, rejoindre cette grande danse-là des esprits. Donc, on se rend compte aussi que le fait d'utiliser des termes en français... Le fait d'apposer forcément la dimension de réserve, elle ne renvoie pas forcément aux mêmes implications dans nos langues. Donc, c'est aussi important de se positionner puis de faire ce pas de côté avant de... il y a le code de l'environnement et la réglementation, c'est applicable par tous. Et puis, pour autant, dans la perception que les gens ils ont, on va le voir dans la suite, la représentation, c'est pas du tout... Elle est différente. Donc, c'est ce qu'on a mis là dans les deux termes qui sont opposés. Hiri, c'est en foin-i, hitei, en pidgin. Et puis, raoui, pareil, là aussi, qui est un apport dans la réglementation en Polynésie sur le fait d'utiliser d'une manière ponctuelle des espaces à sanctuariser pour des usages traditionnels. Je veux dire par là que la société traditionnelle, elle n'a pas attendu la réglementation pour pouvoir... préserver ou non les espèces. Elle a déjà des modes de gestion qu'aujourd'hui, on est amené peut-être à confronter, à partager. L'idée, c'est un petit peu d'ouvrir un espace et de se dire qu'il y a potentiellement des approches à partager dans l'un et dans l'autre. Voilà. Merci. Et pour les tabous, on va avoir des... Il y aura toujours quelque chose à respecter quand un lieu est tabou. Donc ça peut être pour un clan, quelques personnes ou beaucoup de personnes qui doivent respecter quelque chose. Mais le tabou, il peut être sur le fait de ne pas porter certaines choses quand on va dans l'endroit, de ne pas prélever, de ne pas marcher. Mais ça va être cette diversité de contraintes que se posent les hommes pour bien respecter le lieu concerné. Et de ce que nous avons partagé depuis le début de la conférence, nous avons vu que ce que disait Emmanuel, que le rapport à la connaissance qui a tendance à dominer chez les peuples océaniens, il est ancré dans différents continuités, et en particulier dans le continuum entre nature et culture. Et ce qui a tendance à dominer en Occident, je dis bien qu'il y a tendance qui a pris le dessus, parce que ça ne concerne pas tout le monde, mais c'est plus marqué par des dichotomies et des séparations entre nature et culture.
Et on ne doit pas oublier que les politiques de gestion de la biodiversité d'aujourd'hui, elles sont nées dans ce contexte-là. Elles sont nées dans ce contexte. Et les mots que nous employons en français ou en anglais comme biodiversité ou écosystème, elles n'existent pas, comme je le disais tout à l'heure, dans les langues océaniennes et dans de nombreuses autres langues du monde. Donc nous proposons dans ces quelques diapos-là, qui seront relativement courtes, de comprendre, de prêter attention à comprendre le sens des mots pour construire des politiques environnementales, de prêter attention aussi aux manières de traduire les représentations et les savoirs pour faciliter le débat à propos des règles, et de ne pas oublier aussi qu'il est important de considérer que le secret a sa place aussi dans la gestion des hommes et des espaces, qu'on ne doit pas forcément tout savoir pour pouvoir gérer ensemble un espace. Bon, pour comprendre l'essence de mots, on a juste mis quelques exemples extraits d'entretiens menés en Calédonie sur ce que signifiaient les termes pêcher, interdit de pêcher, réserve. Donc là, on a un homme de Hunete à Lifou qui, à la question « Peut-on pêcher dans la réserve ?» a répondu « Je pense qu'on peut pêcher à la ligne, mais pour une consommation personnelle. Plus de filets, plus de fusils. » On a ici un homme de Mouli à Ouvéa qui dit « Mais on n'empêche pas les gens de pêcher pour se nourrir. » Et ce verbatim, il était intégré dans une plus grande citation, un témoignage, qui, je vous le lis, « Les réserves coutumières étaient pour les grandes chefferies, pour les grandes cérémonies coutumières. Mais on n'empêche pas les gens de pêcher pour se nourrir. À l'Ekini, on ne pêche qu'à l'épervier et à la ligne. » Ces entretiens, ils ont été menés dans le cadre d'un projet sur les animaux marins emblématiques dont on parlera rapidement, et dans le cadre d'un projet qui était en partie financé par la province des îles Loyauté, qui était en train de construire son code de l'environnement et qui souhaitait s'inspirer au mieux des manières avec lesquelles les gens géraient déjà pour construire leur politique. Et si on crée une réserve et qu'on a, lors des entretiens qu'on a menés, appris qu'une réserve pour les gens, ça voulait dire que c'était interdit de pêcher, mais qu'après, on comprend que finalement, pêcher, c'est juste pêcher à la ligne, enfin pêcher au filet ou au fusil qui est considéré comme pêcher dans la langue. Alors si on met interdit de pêcher dans le droit, on va interdire aux gens d'aller pêcher pour se nourrir, même à la ligne, juste un poisson. Et donc on va être contraire à la manière avec laquelle les gens percevaient le terme d'interdit de pêcher. Donc, résumé d'une autre manière, c'est que aire protégée ou réserve marine va signifier pour certains que c'est synonyme de garde-manger. Quand on a besoin, on va aller chercher, mais juste pour manger. Et pour d'autres, ça va être synonyme de zone où tout prélèvement est interdit pour tous et pour les autres. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette conscience des définitions, et notamment des définitions de termes français, qui sont compris différemment par les uns et les autres quand on construit des règles. On va vous parler en quelques minutes d'un projet qu'on a réalisé, qui était financé par la Fondation de Sens et la province des îles Loyauté, qui donne un exemple en fait, de comment est-ce qu'on peut traduire les représentations et les savoirs pour débattre des règles. On est parti du principe qu'on avait observé que l'animal emblématique pouvait être marqueur de sens pour les uns et les autres et pouvait donc être un levier d'action. Tout le monde a quelque chose à dire sur la baleine. Et donc, si on comprend mieux toutes les représentations que les gens ont à ce propos et les liens qu'ils ont avec cette espèce-là, peut-être qu'on va pouvoir se mettre ensemble pour écrire des règles qui vont être mieux comprises et vraiment co-construites. Donc on a fait beaucoup d'entretiens très longs, comme on fait habituellement dans nos disciplines, où on s'assoit pendant une heure, deux heures, parfois sept heures, quand les gens ont vraiment beaucoup de choses à partager avec nous, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Et on a aussi fait un petit questionnaire très court, avec deux questions. Parmi les animaux marins, quelle espèce marine est emblématique pour vous et pourquoi ? Et on a traité 500 réponses de Calédonie. On a traité aussi ce travail s'est réalisé aussi à l'île de la Réunion. Et parmi toutes les espèces qui étaient citées, celles-ci ont toutes été citées plus de 10 fois. Et les rectangles sont proportionnels au nombre de fois où l'animal a été cité.
Donc on voit les espèces qui sont les plus souvent citées. Hein, la tortue, elle a été citée 416 fois sur 500 personnes. Les gens pouvaient en citer plusieurs, donc elle est vraiment très très souvent citée comme animal emblématique pour la personne. Et lorsqu'ensuite on a demandé pourquoi, il y a eu énormément de phrases, de réponses. Certains donnaient quelques mots, d'autres donnaient deux, trois lignes de réponses où c'était souvent par écrit. Et on a essayé de classer ces réponses-là pour essayer d'en faire des visuels qui vont pouvoir servir au dialogue. Et donc là, c'est 22 grandes raisons qui justifient le fait qu'un animal est important, emblématique pour les gens de Nouvelle-Calédonie. Et celles qui sont en haut, on a fait une loupe dessus là. Pourquoi est-ce que les espèces marines sont emblématiques pour les gens de Nouvelle-Calédonie ? La raison qui est le plus ressortie, c'est le fait que c'était une espèce consommée et appréciée. Les gens pouvaient donner plusieurs raisons. On pouvait avoir des fois jusqu'à 4-5 raisons dans une même réponse. On laissait les gens libres. Et donc, ils pouvaient aussi l'associer à le fait que c'était une espèce menacée, le fait que c'était une espèce dotée d'un rôle écosystémique important. Et on voit qu'en deux, c'est que c'était une espèce liée à une organisation socio-symbolique. On a mis là-dedans tout ce qui est lié à la coutume, aux valeurs culturelles. Donc, on voit que c'est important quand on pense des politiques environnementales de gestion de la biodiversité d'intégrer qu'il y a toutes ces autres valeurs qui sont accordées à ces territoires, en l'occurrence là ces animaux marins, mais ça peut être des végétaux, ça peut être en milieu terrestre également. Et on s'est amusé à regarder pour chacun des animaux qui avaient été cités les raisons qui avaient été les plus citées associées à cet animal-là. Donc pour la tortue et le requin, là, on a mis en avant le fait que c'était des espèces socialement et culturellement et coutumièrement importantes. Donc on voit que vraiment le graphique qui montre que c'est le pic, il est là-dessus. Beaucoup de personnes répondaient cette réponse-là. Et on voit que les autres qui arrivent juste après, en nombre de réponses données, c'est espèces menacées et espèces protégées ou à protéger. Donc en fait, on a plusieurs espèces qui peuvent être représentées par ce type de schéma-là. Et ça invite vraiment à penser les politiques environnementales en intégrant ces deux champs en particulier. C'est un focus assez rapide. Il y a une plaquette qu'on a créée qui est à droite là sur l'écran et que vous pourrez récupérer à la sortie pour ceux qui le souhaitent. Et dans tout ça, en fait, quand on collecte de l'information, on en collecte beaucoup. Les gens, parfois, partagent beaucoup plus que ce qu'ils accepteront de voir partager au-delà. Mais ils partagent avec nous, ou d'ailleurs, parfois, peut-être ils ne partagent pas, mais ils partagent avec nous, ou avec moi, en particulier quand je vais faire des entretiens, parce qu'ils souhaitent que je comprenne bien pour bien traduire derrière. Mais il est vraiment important de considérer qu'il y a des secrets à respecter et que le secret, il a vraiment sa place dans la gestion des hommes et des espaces. Donc c'est la vignette qui est proposée là sur le fait que quand on parle d'espèces emblématiques, quand on parle de requins, de tortues, de baleines, quand on parle de certaines plantes, c'est rattaché aussi à la dimension du sacré. Quand je parle de sacré, c'est que les endroits qui sont interdits parce qu'on a vu apparaître, une forme entre guillemets mythique à cet endroit, c'est parce que c'est l'origine du monde, c'est rattaché aussi à l'intimité de chaque clan. Aujourd'hui, hein, il y a des clans qui portent le nom de ces espèces emblématiques, mais il y a des clans qui continuent à faire des offrandes. Et à partir du moment où on interroge sur la réglementation des animaux en général, c'est se détacher aussi finalement de la nature en tant qu'objet. Alors que pour la conception d'ici, c'est qu'on n'est pas détaché de la nature. On fait partie de ce tout et que pour le coup, le fait de vouloir forcément le dissocier, c'est comme si on regarde de ce qu'il y a à l'intérieur même du panier de l'intimité des personnes. C'est là où la considération sur le sacré, c'est un jeu de mots facile, sacré, secret,
c'est en français, hein, mais ce qui est dans nos langues, c'est forcément rattaché à l'enracinement, l'originalité au sens s'originer, mais aussi aux endroits, à la toponymie, aux espaces, et puis finalement à ce qui est le cheminement de ce groupe avec sa propre histoire, avec sa propre mythologie, et que à partir du moment où on dit qu'on est né de notre référence, c'est le requin, on n'a pas le droit de le toucher, on a le droit à le respect, il nous accompagne, on va lui demander de cheminer avec nous, de nous accompagner à l'occasion des saisons de pêche. C'est pareil pour les tortues, c'est pareil pour les baleines, c'est les indicateurs qui marquent finalement l'intervention du sacré dans le monde des vivants, matérialisé sous la forme de cette espèce-là qui va être une caran ou un bossu et qui joue son rôle en étant visible pour ce qui est lui-même. Mais on n'est pas détaché de la nature. Cette dichotomie, elle vient pas d'ici. Et c'est là où parfois la compréhension, elle est faussée, parce que c'est vouloir forcément imposer une distinction qui n'est pas dans nos manières d'interroger ce rapport à la faune ou à la flore. Donc c'est à chaque fois cet équilibre qui est à respecter. Si on voit apparaître telle espèce, ça voudra dire quelque chose, ça signifie quelque chose à une telle période. Lorsqu'on mange les ignames, par exemple, on fait les offrandes à certains endroits dans la tribu, chez nous, et puis si on voit apparaître tel type de lézard, si on voit siffler tel oiseau, on voit, ça voudra signifier quelque chose. Il y a une manière aussi d'interpréter l'apparition de ces signes, parce que on est initié aussi au déchiffrage, mais à la connaissance de ce qui est le langage de ces esprits-là avec la condition des hommes aujourd'hui. Donc voilà, sacré, secret, c'est un petit peu pour ça qu'on a voulu l'intégrer aussi dans les dispositifs de gestion. On n'est pas obligé de tout savoir, surtout il faut aussi prendre compte que l'intimité des clans, il faut respecter, et que voilà, c'est parfois perçu comme maladroit, mal élevé de vouloir demander il est où ton caillou, il est où ton totem, il est où ton trou d'eau. Ça, c'est pas tellement bon, ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu l'intégrer dedans. Et pour terminer, même si on en a parlé dans toutes les parties jusque-là, on a envie de partager avec vous deux éléments sur comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui, comment est-ce qu'on apprend pour construire des modes de gestion ensemble, en considérant qu'il y a des choses qu'on ne va pas forcément connaître de l'autre, mais on sait qu'on a des diverses manières, différentes manières de voir. Et une deuxième partie qui nous sortira un petit peu des modes de gestion eux-mêmes, mais qui visera à réfléchir à comment est-ce qu'on apprend à apprendre aujourd'hui, comment est-ce qu'on apprend à être attentif à son environnement, ses liens, ses relations aux différentes formes de vie, en voyant les différentes innovations actuelles pour continuer d'apprendre, même si on n'est plus... pour continuer d'apprendre avec la diversité des moyens qu'on a aujourd'hui pour apprendre. Donc pour l'apprentissage, apprendre à construire des modes de gestion ensemble, Emmanuel a commencé par partager une expérience récente qu'il a observée en province Nord. On a eu la chance avec le consulat australien d'accueillir les Indigenous Rangers. Donc c'est une qui travaille sur zone coutumière et puis qui depuis quelques années sont eux aussi il y a des programmes d'aide avec les populations autochtones et ils contribuent à la préservation des savoirs traditionnels. Donc ils sont recrutés pour travailler sur la réserve pour leur connaissance de tout ce qui est la gestion de l'environnement, les techniques sur brûlis autant que la connaissance de ce qui est la biodiversité. Donc c'est intéressant aussi de se dire que voilà, aujourd'hui, de par le monde, hein, on se rend compte qu'il y a des expérimentations qui sont formulées et puis qui prennent en compte pour partie les savoirs traditionnels dans les dispositifs de gestion. La vignette suivante, c'est aussi rattaché à la prise en compte finalement de ce qui est l'organisation politique. Il n'y avait pas de problème
autrefois, je pense, hein, sur la gestion des écosystèmes, puisque, en tout cas ici en Calédonie, les endroits sacrés, la gestion de la réserve, c'était quelque chose, somme toute, d'assez lointain. À partir du moment où on a mis en place la provincialisation et la réglementation qui découle de la gestion de ces espaces partagés, on va voir apparaître finalement ce frottement entre les compétences qui sont celles de l'organisation politique, des chefferies. Je vais sanctuariser un espace parce que dans 2 ans, 3 ans, il y a un nouveau chef qui va être intronisé. Donc je préserve la ressource à cet endroit-là. Et puis ce qui est de la gestion de préservation de la biodiversité, de la faune, de la flore, perçue de manière scientifique. Donc c'est un petit peu c'est aussi à partir de ça qu'on essaye de trouver dans quelle mesure ce frottement il peut amener à repenser les problématiques de gestion. Puisque si pendant 2000 ans, les gens ils ont eu l'habitude de gérer ces espaces-là de telle manière, et puis qu'aujourd'hui, en l'espace de 20 ans, depuis les années 2000, la mise en place des provinces, c'est 98, c'est 80, oui, 90 plutôt, c'est 88, accord de Matignon, c'est somme toute assez récent. Hein. Et donc du coup, les problématiques qui sont rattachées à la gestion, elles sont aussi nées de cette confrontation, de ces deux visions où parfois les gens ont l'impression d'être dépossédés pour partie de ce qui est leur compétence, qui sont celles que je disais tout à l'heure, rattachées au mythe, rattachées, etc., etc., à l'identité des groupes, quoi. Donc il faut cheminer. Voilà, c'est un petit peu, lorsque cela est possible, si ce n'est pas possible, de toute façon, il faut inventer. C'est ça. Lorsque cela est possible, c'est une bonne fin, comme tu l'as formulé. Et c'était aussi pour rappeler que la structuration politique et coutumière, il y a des endroits où elle est bien fonctionnelle et c'est facile, les interactions sont plus faciles pour co-construire, alors que dans d'autres endroits où c'est moins fonctionnel pour des raisons sociales souvent et qui vont durer quelques années ou très longtemps, c'est des moments où ça va être plus compliqué de co-construire les choses afin de gérer les endroits. Et ça, c'est les choses ont évolué de tous les côtés et donc on est vraiment obligé d'innover et de s'appuyer sur les différentes options, les différents chemins qui peuvent permettre de construire des politiques environnementales, puisqu'on parle de ça, qui soient comprises et qui correspondent au mieux aux attentes pour que les gens respectent. Donc on apprend aujourd'hui à construire des modes d'objection qui n'existaient pas auparavant et qui, pour être compris et ajustés, comme on vient de le dire au plus grand nombre, doivent vraiment s'inspirer des différentes manières de voir, de concevoir, de sentir, avec les sens, comme tu le disais tout à l'heure, Emmanuel, et de gérer. Mais il importe aussi que chacun de nous puisse continuer d'expérimenter le monde et d'apprendre à apprendre. Non pas d'apprendre une chose puis une autre, d'apprendre par cœur, mais d'apprendre à être attentif. Et c'était vraiment l'objet de l'exposition et aussi au cœur de notre présentation aujourd'hui. Donc pour terminer notre section, on propose une section qu'on a appelée « Comment apprendre à apprendre ». Nous tenons en particulier à rappeler que si les savoirs écologiques se renouvellent, c'est-à-dire on sait lire l'environnement, on sait que quand il y a tel oiseau qui passe, ça va vouloir dire ça, on sait que quand les nuages sont ainsi, il va y avoir une sécheresse ou un cyclone, et donc les gens qui sont inscrits dans une ruralité, dans des pratiques de pêche, d'agriculture, etc., kanak ou non kanak, sont tout à fait habitués à ajuster ces savoirs-là, et ils sont confrontés au changement. Et aujourd'hui, on peut toujours apprendre en faisant, en pratiquant la pêche, en pratiquant l'agriculture ou d'autres activités, en écoutant, en sentant, mais on apprend aussi à l'école. On apprend par les médias divers, on apprend par l'Internet, les réseaux sociaux de plus en plus. Et on propose de partager très rapidement là 3 exemples de nouvelles modalités d'apprentissage qu'on a observées, auxquelles on a pris part d'ailleurs. Une que vous connaissez bien, qui est juste à côté, qui est le chemin kanak d'ici, du centre. Bon, c'est facile, hein, c'est juste en bas. Mais ça, quand on parle de chemin kanak, c'est une création. Hein.
Ça n'existe pas, le chemin Kanak. Enfin, c'est une vision de l'esprit. Ce n'est pas un chemin qui est emprunté que par les Kanaks. C'est un chemin qui est pensé à l'origine dans la conception muséographique, dans la collaboration entre Renzo Piano et puis le comité de pilotage, la nécessité de comprendre ce qui est le lien entre l'homme et la nature. Et pour le coup, comme l'objet, c'est la création d'un centre culturel, il fallait à un moment donné qu'on puisse voir matérialiser finalement ce lien-là. Il est visible, évidemment, dans l'architecture de Renzo Piano, puisque sur l'ensemble du bâtiment, il n'y a aucun endroit finalement où on n'a pas la relation avec la nature. Mais finalement, de comprendre d'où est-ce que ces concepts ils sont tirés, c'est la proposition qui est formulée là, dans le chemin Kanak. L'origine du monde avec la pierre, la dent de la lune posée au centre du bassin des origines en bas, et puis la déclinaison finalement de ce rapport à la connaissance qui se fait par l'initiation de Théa Kanaké. Et pour le coup, l'initiation de chacun d'entre vous qui veuille bien prendre le temps de cheminer, marcher, respirer et puis regarder les plantes qui sont autour de vous. Parce que potentiellement, dans les usages et les plantes qui sont autour de nous, il y a une partie de ce qui est non seulement l'identité du pays, mais aussi, de manière très pragmatique, les médicaments pour se soigner. Donc, c'est une manière d'interroger le rapport à la connaissance qui est très ludique et puis qui, pour le coup, permet d'interroger l'ancestralité, l'origine du monde, jusqu'à sa manière... enfin, voilà, si vous avez cherché des mitchés pour... vous avez des problèmes de sinus, ben voilà, il y a des mitchés sur le chemin Kanak. Il y a une manière... Enfin, nous, on voit la pertinence de cet outil-là avec les guides qui sont ici au centre parce que les plantes, elles sont cassées. Mais elles ne sont pas cassées pour être détruites, elles sont cassées pour être prélevées. Parce que c'est vrai qu'ici, dans Nouméa, le rapport à la nature, il est beaucoup plus distant. Et donc, du coup, un endroit dans lequel les gens viennent se ressourcer, utiliser les plantes, c'est ici. Bon, ce n'est pas gratuit, il faut payer quand même l'entrée, mais ça fait partie du business model de départ. Au moins, les gens se soignent. Et il y avait aussi quelque chose dont on avait parlé en présentant à propos du chemin Kanak d'ici, c'est que les jeunes Kanak aussi apprennent, certains qui sont un peu éloignés, au lieu de passer, alors c'est un peu caricatural, mais quand on est avec les vieux, ils nous parlent beaucoup en énigmes, mais là il y a des choses qui sont partagées plus facilement, plus accessibles, et ça n'empêche pas d'avoir aussi les énigmes des vieux, mais ça ouvre un chemin qui peut permettre de raccrocher aussi avec cette histoire-là. Donc, c'est aussi cette innovation, cet outil qui est intéressant qu'on voulait mettre en avant. Là, on a mis « Apprendre en se réappropriant des traditions orales transcrites par l'écrit ». L'oralité est très, très importante ici et tout le monde espère qu'elle va perdurer. Néanmoins, il y a des choses qui ne sont plus transmises par l'oralité et c'est aussi le travail qui a été fait par le département et que nous, on fait anthropologues en allant passer du temps avec les gens pour qu'ils nous racontent ce qu'ils souhaitent partager à propos des sujets sur lesquels on travaille. Et on voit ici Floriane qui faisait des enquêtes récemment là, sur le dugong, les pratiques associées au dugong, les valeurs, c'est à Unjo, hein. Les valeurs associées à cette espèce-là. On a mis à côté une photo d'un petit livret qu'on a réalisé après un travail qu'on a fait aux îles Loyauté sur les roussettes, où l'objectif, c'était aussi dans l'objectif de nourrir le code de l'environnement, comprendre les valeurs, les pratiques et les règles de gestion qui existaient déjà aux îles Loyauté, qui sont différentes selon les îles et selon les endroits, afin que lorsque ces pratiques sont adossés à des réflexions, enfin, on considérait à chaque fois les enjeux écologiques et les enjeux sociaux et culturels pour pouvoir penser des règles de gestion qui soient au mieux tant pour les roussettes que pour les gens, pour aller un peu rapide. Et dans ce contexte-là, on a rencontré beaucoup de personnes, je ne me souviens plus du nombre de personnes qu'on avait rencontrées, mais en particulier à Marais, on a rencontré trois vieux que vous voyez ici en photo qui avaient exprimer leur intérêt que leurs paroles soient retranscrites à l'écrit et partagées. Et comme le sujet des toas, ce sont des lieux de chasse particuliers avec,
avec des règles anciennes et encore pratiquées pour y avoir accès. Et ce qu'on fait avec les roussettes, on va les apporter à tel endroit, etc. Allez le lire. On a décidé de faire un petit livret juste sur les toas de marée, en mettant en avant les propos qu'ils avaient partagés, en mettant aussi en avant ce que ça représentait les roussettes pour les gens aux loyautés. Et lorsqu'on les a remis, ces livrets, on les a remis à la province des îles lors d'une assemblée afin qu'aussi ça puisse être diffusé dans les écoles. Et parmi les vieux à qui je les ai remis en main propre, je les ai revus un peu après. Ils s'en étaient servis pour reparler avec leurs jeunes, leur petite fille, je me souviens d'un exemple. Et c'est quelque chose aussi du coup qui est souhaité de transcrire aussi par l'écrit un certain nombre de choses. Donc avec respect sur ce qu'on peut dire et avec l'anonymat qui est souhaité parfois par les gens qui partagent avec nous. Mais en l'occurrence, moi, dans cette expérience-là, certains avaient dit qu'ils voulaient être anonymes, et quand je suis allée leur montrer les textes, ils ont dit non, mais quand même mon nom, parce que je suis plutôt content de rester là avec ce que j'avais partagé. Donc c'est aussi une action, je dirais, dans la réactivation de la transmission. Donc, faut pas forcément avoir peur de transcrire par l'écrit certaines choses. On a choisi également d'interroger par cette question des problématiques qui sont rattachées à la transmission sur les dispositifs de résidence culturelle. Résidence culturelle qui met en action finalement le réseau des personnes auxquelles on fait appel lors des enquêtes, les personnes ressources, les vieux, les notables, à l'occasion des vacances scolaires, là, comme maintenant, les deux semaines, monter des résidences. Il y en a une en ce moment à Tiwaé, à Touo, autour du champ traditionnel, et puis tout ce qui est les dispositifs de gestion, champ traditionnel, champ polyphonique. Donc c'est avec le département de musique traditionnelle du conservatoire de musique et de danse, mais également avec les autorités coutumières, parce que là encore, une fois, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans le dispositif de résidence, c'est le fait de valoriser l'oralité autant que l'écrit. Et ce que j'évoquais tout à l'heure en début de conférence, le fait de hina, savoir, il faut que la parole, elle s'ancre finalement dans le geste pour la rendre perceptible, matérialisée, mais aussi expérimentée. Se tromper, refaire pour que ça soit finalement une expérience non seulement de la pensée, mais également du faire. Donc c'est aussi quelque chose qui est mis en place dans lequel on a travaillé sur des contenus et dans lesquels finalement on participe aussi de ces opérations de médiation autour des contenus pour pouvoir valoriser et rendre compte finalement de ce qui est les dispositifs de médiation, c'est-à-dire au moment où on fait les enquêtes, on va collecter en langue, on écrit en langue, et puis après, dans tout ce qui est la proposition qui a été faite tout à l'heure en prélude, là, avec les prestations des artistes, ça fait partie de ces dispositifs de médiation. À la fin de chaque séquence de résidence, il y a un spectacle qui est créé et puis qui se nourrit finalement de tout ce qui est les apprentissages par une création intellectuelle, un chant et une danse, et puis par une création plastique, avec quelque chose qui est réalisé par la main. Et d'ailleurs, dans la bande-son que vous avez entendue, il y avait des propos qui avaient été enregistrés auparavant, qui n'étaient pas une nouvelle phrase qui avait été donnée, mais Erwan, en montant la bande-son, a créé des phrases et a repris aussi les mots et la voix de certaines personnes. Donc, on en a terminé avec tous les éléments qu'on avait envie de partager avec vous. Avant de conclure, on voulait juste parce qu'il y a eu beaucoup de choses de repartager avec vous les messages clés avec lesquels vous pourrez peut-être repartir, en tout cas peut-être certains d'entre eux. Comme le rappellent ces images, on n'a pas de dichotomie et de séparation entre nature, culture ou terre-mer, mais bien des liens entre humains et non-humains, entre les différentes formes de vie. Le sillage de la pirogue, là, il ouvre sur un monde qui articule tout cela. Le deuxième message, c'était de vraiment conserver dans nos têtes que la tradition, elle est dynamique.
elle se transforme tant dans ses savoirs et dans ses savoir-faire que dans les manières d'apprendre de l'autre. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, Emmanuel et moi, de rappeler ça. Nos traditions, elles se transforment en fonction de nos besoins et de ce fait, nos manières d'apprendre, de transmettre, d'être attentif, elles se reformulent aussi au regard de l'évolution de la société. Et la tradition, elle n'est pas figée il y a 100 ans, elle continue d'évoluer et c'est ça qui nous ancre. Et cette tradition-là, qui est dynamique, elle mérite vraiment d'être reconnue et considérée dans la production de nos politiques. Et si toutes les traditions sont considérées, les traditions, là on a beaucoup parlé de tradition kanak, mais il y a plein d'autres traditions, en fait ça aide vraiment à poser de notre point de vue un débat conscient et plus équilibré entre les acteurs qui construisent les réglementations et qui construisent les réglementations. On va aller plus vite. Et le quatrième message, c'est qu'il n'est vraiment pas nécessaire de tout connaître. Et c'est aussi ce qu'on voulait partager et ce que Nicolas Mollet a réussi à faire partager avec sa création numérique de 4-5 minutes, c'est qu'on ne comprend pas tout. Selon nos histoires, selon nos situations, on va comprendre certaines choses, mais ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre. Et on n'a pas du tout besoin de tout comprendre pour travailler ensemble à la gestion. Et le cinquième message, c'était que l'enjeu n'était pas d'apprendre des choses et de se nourrir de plein de choses, mais vraiment d'apprendre à être attentif pour pouvoir s'adapter et continuer d'écouter le monde. Et pour conclure, on a voulu prendre un tout petit peu de hauteur au-delà des exemples qu'on a partagés d'ici, en citant un jeune philosophe français, Baptiste Morisot, qui, dans « Manière d'être vivant », un ouvrage qu'il a publié en 2020, il parle de « cosmopolitesse ». Il parle de réinventer une cosmopolitesse. Il s'agit, je lis sa citation, de retrouver et de réinventer les égards ajustés envers les autres formes de vie qui font le monde, d'être enfin cosmopolite. Avec Emmanuel, on trouve que cosmopolite, ça résonne en particulier avec le terme de respect et d'humilité qui est souvent employé ici. Et on pense qu'en milieu kanak, même s'il y a eu beaucoup de changements, si les manières de voir, elles ont été bousculées, et sont plus partagées par tous, on n'est plus dans un monde kanak d'il y a 200 ans, on est dans un monde kanak d'aujourd'hui, mais il persiste toujours une manière de voir dans le monde qui est ancrée dans le lien entre les humains et les non-humains. Et nous proposons que cette manière de voir le monde, elle invite à cette cosmopolitesse dont parle Baptiste Morisot, qui est une manière d'agir avec égard, avec attention, en considérant les liens entre toutes les formes de vie, en s'en nourrissant aussi, parce que se nourrir de ces éléments, ce n'est pas leur manquer de respect, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, retenons qu'on n'apprend pas aujourd'hui comme on apprenait hier, et on apprendra sûrement différemment demain. L'enjeu est vraiment de rester attentif, de continuer d'apprendre à apprendre, quels que soient les cercles, les spirales, les chemins où se construisent les apprentissages. Et pour reprendre les termes en langue foyer que rappelait Emmanuel en introduction, en mobilisant vraiment tous nos sens, et en étant le chemin de l'autre. Merci. Il revient. Bonsoir. Vous venez d'évoquer comment vous alliez chercher en tant qu'anthropologue le chemin de l'autre, et je pense que c'est quand même, ça fait partie aussi de votre discipline, j'imagine. Mais je me demandais à quel point justement les autres disciplines étaient prêtes à le faire et comment elles pouvaient améliorer leur manière de faire, parce que moi je suis pas tout à fait certain que vous aviez évoqué votre différence avec les biologistes qui vont aller ratisser toute la nature. Est-ce que c'est des disciplines qui sont prêtes à prendre le chemin de l'autre? Je suis obligé de dire, attends, les biologistes ne vont pas ratisser toute la nature. les individualités travaillent différemment, les individus travaillent différemment, les outils qu'on emploie, les méthodes qu'on emploie sur le terrain ne sont pas les mêmes. Ici,
des travaux ont été menés aussi au niveau juridique dans les différentes collectivités pour accompagner aussi ce travail-là. Alors, ce n'est pas facile, hein, parce qu'il y a des chercheurs qui veulent respecter, qui veulent passer par les chemins par lesquels on leur dit passer, on leur dit qu'il faut passer. Parfois, ils n'y arrivent pas à aller jusqu'au bout parce que c'est très long, parce que c'est compliqué. Donc, il y a un travail actuellement qui est en cours pour pouvoir faciliter que ces chemins soient bien compris par tout le monde et puissent être menés sur des temps pertinents pour réussir à mener les recherches. Ensuite, on en parlait aussi avec Emmanuel quand on préparait notre conférence. On a souvent besoin d'être, quand on est chercheur dans des disciplines plus orientées biologie, écologie, lorsqu'on va sur des terrains qui sont les terrains des autres, une terre coutumière par exemple, on a besoin d'être accompagné. Et puis de toute façon, les gens qui connaissent le mieux le terrain, c'est les gens de l'endroit. Donc il y a ce besoin d'être accompagné. Et on disait, c'est pas forcément une personne qui est légitime pour accompagner, qui va accompagner dans le sens légitime coutumièrement au placé, quelque chose comme ça, si on a ça en tête, mais c'est une personne aussi qui va être en capacité de traduire les concepts et d'aller sur le terrain, de comprendre ce que la personne réalise, etc. Donc, en fait, c'est pas facile à mettre en œuvre. Et encore une fois, hein, je dis, il y a des chercheurs qui veulent faire bien et d'autres peut-être qui veulent qu'ont moins cette attention-là, on va dire. Mais même quand on a cette attention-là, c'est quelque chose qui se travaille avec l'autre. Et le temps de la recherche, le temps des projets, le temps des institutions, le temps des papiers. Et pas toujours le temps idéal, ou en tout cas les temps ne se vivent pas de la même manière pour réussir à mener le travail. Donc c'est une réponse qui n'apporte pas une solution toute faite, mais qui invite de toute façon à être attentif, à identifier les bonnes personnes, à se renseigner sur les bons chemins à emprunter pour mener tout travail. Et là on parle de recherche, mais ça peut être aussi sur d'autres travaux, bien sûr. Ouais, je sais pas si... Peut-être sur le... C'est aussi se rendre compte de... Enfin, je dis pour la partie en dehors des... il faudrait dire les sciences sociales. C'est voir ce qu'on négocie aussi. Parce que c'est fois deux. Et du coup, qu'est-ce qu'on met dans la négociation? Qu'est-ce qu'on met comme enjeu? C'est là où c'est important, la connaissance du maillage, du tissu social, de où est-ce que je fais, où est-ce que je vais aller, à qui je m'adresse. Et je donne un exemple. Il y a 4 ans ou 5 ans de ça. Et non, je crois que c'est en 2016 ou 2017, il y a eu une enquête partout dans la région Pacifique, et puis je pense aussi dans le monde, sur une grande campagne autour de machin ADN. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce travail-là, là, qui a été... Et puis il y a des chercheurs qui sont venus ici au pays, et puis ils sont venus nous voir pour demander de... Ben voilà, de accompagner parce que ça nous permet d'apprécier de quelle manière les populations ont migré, etc. Et savoir les origines. Et puis ils sont arrivés, ils ont présenté cette opportunité là-bas au Sénat, Sénat coutumier. Enfin, ils voulaient aller là-bas. Et puis ils se sont vus refuser de manière très sèche, une fin de non-recevoir. Et puis ils ont été très, pas heurtés, mais dans beaucoup de pays dans le Pacifique, les gens acceptaient. Et puis il y a quelques-uns qui sont venus ici au centre quand je travaille ici pour me demander, mais pourquoi vous ne voulez pas, vous les Kanaks, qu'on explore d'où est-ce que votre ADN y vient. Et puis c'est intéressant comme approche parce que c'est sur de la recherche et puis ça permet de confronter
l'archéologie, les traditions orales, les migrations, de quelle manière, et puis de, finalement, comment ben voilà, le matériel biologique il circule, quoi. Et parce que la réponse, c'est aussi elle est dans l'histoire de Théa Kanaké. Nous, on connaît notre origine. Et que c'est ceux qui ne connaissent pas qui font cette recherche. C'est comme ça que la réponse elle a été formulée pour eux. C'est qu'ils sont en train de se chercher eux, mais ils nous ont trouvé nous. Et puis ils nous posent la question de venir regarder dans notre sang. Mais pourquoi ils ne nous demandent pas juste de dire d'où est-ce qu'on vient? Il faut aller regarder dans le sang. Donc c'est pour ça que ça, parfois, voilà, c'est l'enjeu que tu mets dedans. C'est ça qu'il faut dealer. Et puis qu'est-ce que les populations elles gagnent dans cette recherche? C'est quoi que tu ramènes pour eux? Si c'est parce que c'est du temps que tu prends sur leur quotidien et puis que tu vas partir avec. Et puis finalement, enfin, je disais tout à l'heure la question de la jeune fille là sur le chemin pour accéder au savoir. Par contre, le chemin pour accéder à la science, c'est plus facile d'accéder au savoir traditionnel que le retour vers voilà, la science. On a beaucoup plus de mal. Donc, encore une fois, ce n'était pas une réponse, mais c'était juste une illustration. Une dernière intervention, peut-être. Bonsoir. Merci pour vos interventions à tout le monde. Alors, moi, j'ai relevé 5 mots-clés de vos interventions. C'est selon moi, hein, mais c'est ma façon de comprendre les choses. Alors, j'ai relevé nature, écologie, culture, identité, et pour ces 4 mots-clés, elles sont reliées à la transmission. D'accord. Et donc, par rapport à ces 5 mots-clés, je vais soulever 2 questions. Ma première question, c'est comment... je suis Kanak, hein, donc c'est vraiment des questions qui me sont très... Enfin, qui me travaillent, quoi. Et donc, comment permettre à nos enfants de vivre, de sentir, de voir, de comprendre et de conceptualiser la nature dans la continuité de nos anciens afin qu'ils deviennent des acteurs éclairés, ancrés identitairement dans leur milieu de vie, à l'heure de l'occidentalisation de la pensée de l'enfant Kanak par l'éducation et les médias. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question. La DCK peut-il créer des outils numériques pour partager le savoir et la culture Kanak de façon ludique pour les enfants du pays, comme par exemple la lecture de la nature selon l'endroit où on est, afin de permettre de cheminer ensemble sur le chemin et de comprendre mutuellement nos cultures? Voilà, merci. Bon, en tout cas, d'abord, merci beaucoup hein, pour la synthèse déjà des mots-clés et d'y relier la transmission. Donc, merci pour la question. Les 2 questions, c'est vraiment des très, très grandes questions. La première, surtout. Je ne vais pas faire une longue réponse parce que là, il faudrait plusieurs jours, je pense. Mais j'ai envie de reprendre une phrase que j'ai dite à un moment qui me semble très très important et à tous les niveaux de la vie et dans tous les endroits qui enseignent aux enfants, c'est que apprendre des choses par cœur, à bourrer le crâne, pour reprendre les termes, est quelque chose qui est peu aidant pour pouvoir justement s'adapter, s'ajuster et vivre demain. Alors, j'ai pas écrit l'entièreté de ta question, mais presque. Et donc, du coup, c'est vraiment d'apprendre à apprendre, en fait, et d'apprendre à construire un esprit critique. C'est ce que les écoles et l'université doivent apprendre aux jeunes. Est-ce que, en tant que parents, en tant que tonton, tata, grand-père, etc., on peut nourrir, que l'on soit Kanak ou pas Kanak, que l'on soit dans un
dans une posture d'enseignement au-dessus d'un groupe ou qu'on soit en train d'échanger directement. Et c'est un petit peu ça aussi le message, c'est de faire en sorte que cette diversité de manières d'apprendre à apprendre, d'apprendre à construire son esprit critique, continue d'exister et de pas se dire ben en fait l'école c'est pas bon parce qu'en fait ça change, ça apprend d'autres choses alors qu'on voudrait que ça ben, non, en fait il y a énormément de lieux d'apprentissage, de manières d'apprendre et chacun va y trouver des choses normalement et devrait construire après son chemin d'apprentissage futur quoi. Voilà, c'est ma réponse. Moi, je vais répondre de manière un peu imagée et puis en même temps, c'est pragmatique. Il faut beaucoup marcher. Oui, il faut beaucoup marcher. Il faut marcher tout seul, il faut marcher accompagné, il faut marcher le jour, marcher la nuit. Marcher parce que c'est... Peut-être vous allez dire, mais c'est... Il plaisante, quoi. Mais c'est pas plaisanter, c'est... L'apprentissage chez nous, il se fait parce qu'on se lève et puis on va chercher. Il n'y a pas de savoir. Il y a juste, je pense, la mort qui vient nous trouver. Mais le reste de l'apprentissage, c'est. Même le premier apprentissage, la première tétée, le premier souffle de vie, mais on crie, on va chercher. Et c'est. Pessendan, c'est ça. Il faut être le chemin, éclairer ceux qui. Ça est clair, ils n'ont pas la lumière, ben on va faire pour eux. Mais merci de poser la question de manière pratique, parce que c'est, je pense que si vous êtes resté jusqu'à quelle heure, là, 20h56, c'est que vous avez pris le parti de cheminer, quoi. Cheminer, bon, on est resté assis, mais je veux dire par là que c'est pourquoi je dis que ce n'est pas de la plaisanterie, c'est que, comme moi, je traduis dans ma langue. Culture, c'est, je dis toujours à chaque fois que je fais des conférences, « Hun hen, hun mo ». Hun mo, tu restes assis dans un endroit, puis tu te nourris des paroles que les vieux te donnent. Il y a deux manières. Il y a hun mo, puis hun hen, tu te lèves. C'est ça la reformulation. C'est la pulsation, c'est le battement du cœur. C'est le premier geste que tu fais quand tu veux vivre, ben tu respires. Tu respires parce qu'il y a les tontons qui soufflent sur toi, il y a la vie qui rentre dans tes poumons. Puis le dernier geste que tu fais, ben c'est expirer. Donc, c'est aussi en ça que je réponds, il faut marcher. C'est parce qu'on se lève et puis qu'on chemine qu'on est capable de faire les gestes de bonjour. Ou les menons, c'est ça. C'est dans la terminologie, les gestes qu'on dit en français, bonjour. Ou les menons, c'est un bout de chemin. Tout le savoir, il se construit parce qu'on chemine. On se lève, on va chercher. Puis on finit, une fois qu'on a fini de faire ce geste-là, on a dit, je viens de tel endroit, même si c'est pour un café. Après, on s'assoit, on fait la coutume, on fait deux bouts. On arrive chez quelqu'un. Voilà, je me lève. Puis après, je m'assois. Café, on mange, puis là on raconte le truc. Tu écoutes, tu sens, tu respires, tu vois, et puis après tu ressens avec ta langue, parce que tu vas entendre les histoires, tu vas manger, ça va venir dans ton ventre, et puis après tu vas te relever encore. Donc je ne sais pas si c'est le travail de la DCK, mais en tout cas je sais que c'est d'abord la première fonction de tous les êtres vivants, c'est de procéder de cet échange-là qui nourrit les relations entre nous, les individus. Il y a des expériences qui ont été faites dans les années 70 sur les enfants sauvages, au niveau de la linguistique notamment, où on essaye de comprendre comment l'appareil phonatoire, comment la connaissance, elle intervient. C'est par la relation d'échange, par les cajoler l'enfant, lui parler. C'est pour ça que je dis que c'est aussi forcément rattaché à cette dimension-là, là, qui est de cheminer. Voilà. Et puis après, sur la connaissance des outils de la culture, ben, voilà, il y a les compétences qui sont les compétences partagées. Ça, c'est un peu politiquement correct. Il y a le gouvernement, il y a la direction de l'enseignement, il y a le vice-rectorat,
il y a les provinces. Puis après, ben, jusqu'à cheminer jusqu'en bout, au bout là-bas, celui qui donne à manger à ses enfants le soir. Voilà, c'est celui qui bloque TikTok sur les appareils. Voilà, ben ça, c'est les parents, ça. Ben, ça veut bien dire qu'il y a une part de responsabilité qu'on ne peut pas aussi tout le temps mettre entre les mains de... ce qu'on dit, on accuse toujours le système, la société, la justice. Il y a une partie qui nous revient quand même. Et je pense que si le centre, il est là, la DCK comme les provinces, c'est aussi parce qu'à un moment donné, on a pensé que c'était aussi de la responsabilité des établissements publics et des collectivités de pouvoir, à un moment donné, formuler des réponses qui sont peut-être imparfaites. On est à la période où il faut faire des bilans, il y a des discussions qui se font en ce moment à Paris. Ben, voilà, peut-être que... c'est pas peut-être, c'est sûr, il faut revisiter la copie et puis peut-être à un moment donné voir où est-ce que c'est pertinent ou pas de conserver telle ou telle pratique, tel ou tel outil. Moi, ma langue, PJ, on est 120 à la tribu à parler. C'est pratiquement une langue morte. Hein. Mais c'est mort jusqu'à qu'il n'y ait plus personne qui parle. Moi, tant que je suis vivant, je parle encore, mais je veux dire que c'est de ma responsabilité à moi. J'attends après personne d'autre. Il n'y a qu'une seule langue morte qui a réussi à faire ce chemin inverse, c'est l'hébreu. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis ils ont relu dans les livres, et puis ils ont remis en place les écoles d'apprentissage. Maintenant, Israël, c'est un pays qui enseigne sa langue, qui était au départ une langue morte. Hein. Donc oui, il y a une responsabilité politique et puis il y a une responsabilité aussi individuelle qu'on va partager ensemble. Là. Mais il faut marcher. Bon, je crois que nous allons clore cette soirée. Merci à tous les deux pour cette conférence. Thank you.